Bienvenue sur Five Star Tarot, les amis. Ti, merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir, TS. Merci beaucoup, merci à toi. Et écoute, merci pour ta donation, j'ai lu ton message, donc voilà, on reste dans la discrétion. Merci pour la donation que tu as fait à la chaîne, Ti. Donc merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok. Les Sagittaires, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Les Sagittaires, j'ai fait les Lions avant, c'est un signe de feu aussi. Est-ce que je devrais vraiment faire les Sagittaires là? Bon, allez, les Sagittaires, c'est pas grave. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que pour vous les Sagittaires, Sun, Moon, Rising and Venus, my friend Sagittarius. Allez. Moi, j'ai que dalle pour vous en stock, les Sagittaires, donc on va voir où est-ce que vous en êtes en ce moment, my friend Sagittarius. Ti, merci pour la donation que tu as fait à la chaîne, ça me fait super plaisir. Mon frère, merci. Enfin, mon frère, merci à vous, merci à toi, Ti, merci. Mais c'est vrai que tu es un frère en même temps, donc merci, merci Ti. Ok, je dis Ti parce qu'il voulait pas, il voulait pas que je dise son nom et non plus le montant. Donc voilà, on respecte bien entendu. Allez mes amis Sagittaire, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le 2 de denier. Donc ça vient me dire qu'il y a du changement, mais que vous ne savez pas comment va opérer ce changement. Vous voudriez que les choses elles arrivent vite, que vous voudriez que les choses arrivent vite. C'est potentiellement ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est-à-dire que tout est en train de se bousculer. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui vous arrive en ce moment. Et avec le 6 de Coupe in Weaver, ça vient me dire que là, on arrête de rêver. Ça vient me dire qu'il y a une voix à l'intérieur de vous, enfin, ce qui n'est pas nouveau, c'est un peu souvent comme ça avec vous les Sagittaires, mais peu importe les conséquences ou comment les personnes vont vous voir, vous avez envie de parler, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de dire les choses, il y a une voix à l'intérieur de vous qui a envie de sortir ici. Néanmoins, vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que peut-être que vous l'avez déjà fait plusieurs fois par le passé. Et que ça n'a pas porté ses fruits, et vous vous dites à quoi bon? Mais au-delà de ça, vous savez, des fois, quand on a peur, les Sagittaires, c'est-à-dire quand on voit quelque chose qui va, on veut reprendre une sécurité, on veut atteindre une sécurité, on veut sortir avec un cas, on veut obtenir ci, ça, on veut obtenir j'allais dire, un truc qui risque de nous échapper, avec par exemple les soldes, avec un prix ou quelque chose, un marché, ou alors un contrat, ou alors. Un truc à la mode, un truc qu'on veut commander sur Internet, un jeu vidéo, une console de jeu vidéo j'allais dire, qui est en rupture de stock, les soldes. Quand on veut obtenir quelque chose, on a souvent tendance à vouloir précipiter, à vouloir forcer, mais là, c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est comme si quelque chose venait vers vous, que vous savez que ça vient vers vous, que vous ne pouvez absolument rien y faire, et que ça va quelque part vous sortir du monde des rêves, vous sortir du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question, il n'y a aucune réponse à poser. Les choses sont en train de changer et ça vous met face à vos responsabilités ici. La responsabilité, c'est aussi le fait de répondre à son habilité et vous en avez un peu peur. Vous vous dites, ça y est, c'est le moment, il va falloir maintenant que je passe à une étape supérieure. Il va falloir que je me coupe de certains amis, il va falloir que je me coupe de certains systèmes de courant de pensée, il va falloir que je me coupe de certaines choses, par exemple tous les samedis soirs quand je sortais en boîte avec mes potes et tout ça, il va falloir que je peut-être que certaines il va falloir que je me coupe de certaines habitudes, il va falloir que je me coupe de c'est comme si en fait on était en train de vous pousser vers un précipice et vous savez que vous devez sauter là, mais vous n'avez pas envie d'y aller tout de suite. C'est-à-dire que vous avez encore quelques petites choses à régler là où vous êtes maintenant, mais non, il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. C'est un bouleversement, mais c'est un bouleversement pour du mieux, mais ça, vous le savez. Vous le savez, donc encore une fois, vous êtes confiant, mais c'est un peu comme par exemple un enfant qui dirait non, je ne veux pas passer à l'âge adulte. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, on se dit que c'est bien d'être un enfant, on a tous un enfant intérieur, on se dit c'était bien quand je mangeais des chips devant la télé, que je jouais à des jeux vidéo du matin jusqu'au soir, que j'allais me construire des cabanes, que j'étais innocent et tout ça. Et on ne veut pas faire face à ses responsabilités, grandir et tout ça. Payer des factures, mais au bout d'un moment, une fois qu'on y est, et ben finalement, on se rend compte que ça fait partie de la vie, et ensuite, on n'a plus envie de repartir dans l'enfance, on a envie de toujours apprendre, on a envie de garder nos. Enfin, c'est un passage
qui est pas facile. C'est un peu comme Néo quand il se réveille de la matrice, hein, il se met à vomir partout, il se retrouve dans le dans l'autre côté du dans le vaisseau là, et puis il se dit putain, je veux retourner dans la matrice, mais finalement au bout d'un moment il s'y habitue et il a plus envie de revenir dans la matrice parce qu'il se rend compte du vrai monde, il se rend compte de là où est-ce qu'il est, et finalement ben il a en gros l'univers est en train de vous dire que vous avez plus le choix là, avec les Lovers in Reverse. Vous avez plus le choix et il va falloir y aller, mes amis Sagittaires. De toute façon, c'est simple. Au bout d'un moment, hein, vous avez assez d'expérience, vous allez vous retourner, vous allez faire un dernier sourire vers le passé et vous allez vous dire, bon, maintenant j'y vais. De toute façon, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, les choses sont comme ça. Et maintenant, il est temps de commencer une nouvelle histoire ou quelque chose de nouveau ici. Vous retournez votre veste, toujours du bon côté, avec l'expérience, et c'est parti. C'est parti, mes amis Sagittaires. Donc, encore une fois, la Dance of Change et un certain milieu, c'est un certain milieu. Vous allez vous couper d'un certain milieu, les Sagittaires, parce que c'est comme si, en fait, ça, vous êtes tous à l'université, vous êtes à l'école, vous allez devoir dire au revoir à un groupe d'amis, un groupe de copains, avec qui, parce qu'on va devoir passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que maintenant, on va devoir mettre en application tout ce qu'on a appris là. On va devoir rentrer dans le monde de l'entreprise, on va devoir. Ben, passer à autre chose. On va devoir, encore une fois, passer à l'étape supérieure ici. Et vous ne vous sentez pas forcément prêt à faire ça, mais en même temps, vous savez que ces choses arrivent et quelque part, quelque chose me dit que. Vous savez, c'est un petit peu comme. L'image que je vois, c'est par exemple quelqu'un qui a vécu une grande aventure avec des amis, des potes. On va dire comme dans un jeu vidéo qui a passé énormément d'épreuves et tout ça, ou un truc que, par exemple comme dans Doom en fait, qui a zigouillé plein de monstres, et à un moment vous arrivez à un portail, et quand vous passez ce portail, vous avez vaincu le boss final, et au bout d'un moment vous devez passer ce portail pour retourner sur la planète Terre et revivre votre vie d'avant. Mais maintenant vous êtes dans ce sas en fait, dans ce couloir, il n'y a plus qu'à passer le portail, mais vous avez vaincu le boss, vous avez fait le nettoyage, vous êtes avec vos potes, et là beaucoup d'entre vous ont disparu, pas tout le monde l'a fait, mais vous êtes là et vous vous dites, on va apprécier un peu ce moment maintenant. C'est parce que vous savez qu'il n'y a aucun danger. Il ne va pas y avoir une coupure d'électricité. Le portail, il va pas. Une fois que vous passez là-dedans, ben vous vous dites au revoir et chacun refait sa vie en fait. Il y aura des souvenirs, il y aura des choses de garder. Mais en même temps, voilà, au bout d'un moment, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que. Encore une fois, vous êtes le signe de la passion du voyage. Ça vient me dire que si. Vous n'êtes pas en prison, on ne vous empêche pas si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire, hein. La porte est grande ouverte, il y a des clés, vous êtes là. Mais vous n'avez pas envie, par exemple, je sais pas, j'essaie de trouver une allégorie, par exemple, une image. Vous n'avez pas envie forcément d'aller dans le quartier ou d'aller faire des choses autour, hein, vous inscrire à une salle de sport, aller à la piscine. Non, ce que vous voulez faire, c'est marrant, mais je vois deux extrémités là. C'est soit travailler en vous-même, faire du sport. Être en méditation, avoir des conversations philosophiques, donc un grand voyage intérieur, ou alors tout simplement prendre un billet d'avion et partir à l'autre bout du monde. Je ne sais pas, ça peut être au Mexique, à Dubaï, à Tokyo, à Hong Kong, en Afrique subsaharienne, peu importe. Mais ou en Antarctique, Agartha, voyez où vous voulez aller, hein, Kilimandjaro, Everest, peu importe. Mais j'ai vraiment l'impression que en ce moment, vous êtes vraiment. En quête, il y a une nouvelle existence qui s'ouvre à vous là. C'est vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et je pense que vous avez pris conscience que vous allez devoir quitter avec certains groupes, certaines appartenances, certaines personnes que vous avez fréquentées pendant longtemps, parce que tout simplement, c'est un peu comme les papilles gustatives qui s'améliorent. Hein. On mange des choses quand on est petit, par exemple, on aime les pâtes, on n'aime pas le riz, et puis on grandit, puis on se rend compte que finalement. On n'aime plus les pâtes et qu'on maintenant on veut manger du riz, peu importe, ou alors de la purée, enfin, vous voyez ce que, ou alors des plats épicés, hein, sachant que le plus dur dans la vie, mes amis Sagittaires, c'est de manger épicé en même temps. Tout le monde applaudit, bravo. Mais c'est comme si, en fait, voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer ici. Il y a quelque chose qui est en train de changer et quelque part c'est excitant et quelque part. Mais quelque part, ça vous fait un peu peur. Et vous avez raison de douter. On dit que quelqu'un qui ne doute pas, n'aime pas vraiment, ou quelqu'un qui est trop sûr de lui, la certitude est le pire ennemi de l'homme. Donc vous avez raison de douter là-dessus. Bon, c'est un peu les énergies que je vois pour vous, mes amis Sagittaires.
C'est un peu les énergies que je vois en ce moment. Donc toujours une certaine détermination, un changement. Il n'y a pas de oui, non, non, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Les choses sont comme ça. C'est un peu comme si, que vous le vouliez ou non, il y a des ouvertures, il y a une ouverture d'esprit, il y a un changement de vibration et que vous êtes en ce moment dans ce changement. Après, je ne pense pas que ce soit quelque chose de facile, hein, parce que ça me parle vraiment de voyage, ça me parle vraiment de déménagement, ça vient me dire que vous ôtez tous les doutes de votre tête là. Si pendant longtemps vous vous êtes dit « je ne veux pas changer de travail, je ne veux pas changer de travail parce que je ne peux pas », vous vous dites « mais non, mais finalement, si je veux changer de travail, je me répète tous les jours que je veux changer de travail et je vais changer de travail. Okay » Vous n'allez pas faire le job qui est « just over broke », vous allez faire le job, hein, vous allez faire le taf, vous allez faire le job qui est « joy over burden ». Right. Donc, encore une fois, ça vient me dire que, je sais, vous allez me dire ça, on ne dit pas « ça vient me dire que », mais ça vient vraiment me dire, en fait, cette canalisation, que vous avez décidé de… quelque part d'entrouvrir certaines portes ici. Donc, c'est assez puissant, c'est une énergie assez puissante ici, mes amis sagittaires. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous avez, il y a eu un struggle, hein, il y a eu vraiment un combat, il y a eu vraiment des choses difficiles. Et maintenant, pas un apaisement, mais un changement soudain qui vous amène vers une nouvelle aventure, un autre départ. Et tous ces moments difficiles que vous avez vécus vont vous être nécessaires. Cette formation vous a été nécessaire pour ce que vous allez vivre maintenant. Peut-être plus de, je vais dire, peut-être plus d'indépendance, plus de solitude, plus de présence de vous-même et moins de contrariété par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous. Ce n'est pas tout le monde qui aura accès au nouveau monde. Hein. C'est ceux qui auront vraiment décidé de faire quelque chose, qui auront décidé de sauter le pas, de faire un pas en avant, d'avoir du courage. Et le courage implique le cœur. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment écouter votre cœur ici. L'énergie qui vous fait face ici, c'est la reine de bâton in reverse. Donc, sans vouloir parler de quelqu'un, ça vient me dire que vous ne vous attendez pas. Alors, j'ai vraiment l'impression que, comment dire, vous savez, il y a de la sagesse là-dedans. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas dire non. D'accord ? Et ça vient me dire que là, vous partez un peu comme le fou. L'innocent ne peut blesser personne. L'innocent ne peut aussi être blessé. Mais le 3 de bâton ici vient me dire que c'est une énergie de feu, c'est une énergie de leadership. Ça vient me dire que vous êtes en train d'ouvrir les bras à la vie. Vous êtes en train de mettre votre ego de côté. Vous êtes en train de faire confiance. Vous êtes en train de sentir le vent. Mais vous ne partez pas en mode « c'est moi, je vais casser la baraque et c'est moi qui décide ». Non, c'est un peu comme dans Interstellar ou Gravity, je ne sais plus, quand George Clooney lâche la main de Sandra Bullock et qui lui dit « c'est pas toi qui décide ». C'est comme une renaissance. Hein, au bout d'un moment, elle est comme un fœtus avec tous les fils et tout. C'était l'image d'une renaissance quand on voit ça avec une vision supérieure. Peu importe, on n'est pas là pour parler de Gravity ou d'Interstellar, mais ça vient me dire que ici, vous êtes en train de réaliser quelque chose de grand, quelque chose de puissant ici, par rapport à une certaine opportunité. Hein. Je ne vous parle même pas d'une histoire amoureuse ici. On a le 6 de denier ici, ça vient me dire que vous vous rendez bien compte que vous avez donné ce que vous aviez à donner dans quelque chose, et que maintenant, ou alors peut-être que vous, alors, ça peut vouloir me dire que ce qui vous a aidé. C'est marrant parce que je parlais ça sur les lions, c'est que l'univers vous a vraiment montré, vous savez toujours pas ce que vous voulez, mais l'univers vous a vraiment montré ce que vous ne vouliez plus là. Et donc, comme il n'y avait plus de retour, qu'il n'y avait plus d'épanouissement, eh ben, vous vous dirigez vers le 8 de denier parce que vous allez travailler pour obtenir votre épanouissement. Vous avez compris quelque chose de plus grand et de plus fort. Par exemple, l'image qui me vient, c'est certaines femmes qui pensent qu'être vraiment très très belle, ça peut changer toute leur vie. Donc elles font de la chirurgie esthétique à outrance, elles sont très belles, elles se maquillent, elles sentent bon, elles sont belles, elles se présentent bien sur les réseaux sociaux, pensant pouvoir attirer l'amour de leur vie. Mais ça ne marchera pas comme ça. Elles vont attirer des hommes, certes, mais ce ne sera certainement pas peut-être riche, peut-être beau, peut-être intelligent, mais ce ne sera pas l'amour de leur vie. Elles n'auront pas de plénitude, elles ne seront pas comblées. D'accord ? Parce qu'il faut travailler surtout le cœur. Le cœur, c'est très important. Une femme, elle aura beau être belle, si jamais elle n'a pas quelque chose dans le cœur, il y aura toujours quelque chose de dégoûtant, je dirais, mais pour les personnes qui sont éveillées, pas pour ceux qui sont au même stade que cette personne. C'est la même chose pour les hommes. Si un homme, il veut réussir sur les marchés, être très très riche, être le provider, et ne pas être juste là, avoir une femme objet, ne pas s'occuper de sa femme, si on est trop occupé par son travail, par le fait d'accumuler des richesses, c'est déjà tromper hein, sa femme. C'est manquer de dignité, c'est lui manquer de dignité, c'est le fait de ne pas s'en occuper. Donc, c'est déjà en fait ne pas être
Ne pas être en relation, hein. Quand on est trop en relation, par exemple dans le travail ou quelque chose comme ça, j'essaie de remettre cette lumière-là. Donc, ouais, c'est ça, c'est le fait de réussir sur les marchés, d'avoir beaucoup d'argent et finalement de penser que comme on est un provider, on va avoir énormément de femmes dans sa vie. Alors, on aura peut-être énormément de femmes dans sa vie, mais ça va être difficile de trouver vraiment celle qui va combler son cœur parce qu'il faut travailler sur le cœur, il faut travailler sur soi, la méditation, connais-toi toi-même, know yourself, know thyself, out of, comme disaient les anciens, hein, sur le temple de la connaissance dans l'ancienne Grèce. Connais-toi toi-même, mais tu connaîtras la nature de toute chose. Donc vous savez que vous devez travailler, mais travailler avant tout sur vous-même. Donc le fait que vous savez que vous devez travailler sur vous-même, c'est ça qui fait que vous vous coupez en fait des anciens groupes, des anciennes habitudes, des gens qui ne vous portent pas, qui n'ont pas la même vision que vous. Et il y a quelque chose de plus profond, ça peut être aussi même au niveau du travail, le fait par exemple de faire un travail qui a du sens, de collaborer avec les bonnes personnes, pas forcément pour avoir des gros rendements, mais pour faire quelque chose qui a du sens, qui part dans l'amélioration des choses, dans l'amélioration de la planète, dans l'amélioration de ce qu'on veut accomplir, le monde que l'on veut voir naître demain. Il y a vraiment en fait cette notion ici, mes amis Sagittaires. Donc, vous laissez tomber en fait les anciennes croyances ici avec la reine d'épée in reverse. C'est ce que on vous a appris, c'est de laisser tomber les anciennes croyances. Que ce soit les appartenances religieuses, culturelles, politiques, le nationalisme et tout ça. Et vous rencontrez des personnes qui sont comme vous. Vous choisissez des personnes qui sont comme vous et vous avancez. Donc c'est vraiment pas très plaisant ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais le 5 de coupe in reverse ici vient me dire que vous laissez tomber les prises de tête par rapport au fait que quelqu'un doit changer, quelqu'un doit vous comprendre, le fait de vouloir vous plier à quelque chose, j'allais dire à une certaine idéologie, à des certaines attentes et tout ça. Donc vous êtes vraiment en train de mettre ça derrière ici. Hein. Et vous arrêtez aussi et surtout d'être dans les regrets ici avec le 5 de coupe. Donc je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. On arrête ici d'être dans les regrets, hein, mes amis Sagittaires. Et donc c'est positif plus, hein. Et on arrête aussi de vouloir forcer les choses, de vouloir se dire que le monde il est comme ça, qu'il faut faire les choses, j'allais dire, de façon énervée, de vouloir, vous savez, tout défoncer, défoncer les portes et tout. Non, là, vous vous laissez vraiment guider. C'est comme si vous laissez vraiment les choses venir à vous ici. Il faut que j'arrive à comprendre comment est-ce qu'on fait ce zoom-là. Comme si vous laissiez les choses venir à vous ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mes amis les sages. Donc c'est vraiment un combat vraiment interne, hein, certes que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais c'est vraiment pour le meilleur ici. Vous êtes en train de vous rendre compte de l'essentiel, hein. C'est-à-dire que si vous êtes passé par exemple d'une période ou d'un stade superficiel, vous êtes vraiment en train de faire des grandes réalisations ici, hein. C'est pas vraiment les attentes de la société ou les aspects extérieurs, c'est vraiment les aspects intérieurs que vous êtes en train de travailler en ce moment. Donc par exemple, si vous avez réussi en finance ou que vous avez les moyens ou un beau métier, tout ça, c'est pas pour accumuler des choses, mais aussi vous travaillez sur le côté philosophique, sur ce qui vous concerne vraiment à l'intérieur en fait. Et pareil pour mesdames, c'est pas juste le fait d'être belle et tout ça, non, vous travaillez aussi sur le fait de méditer, sur le fait de changer votre vibration. Vous avez compris que vous n'attirez pas ce que vous demandez, mais que vous attirez ce que vous êtes. Et potentiellement, vous allez attirer vraiment des nouvelles choses, mais des bonnes choses à vous, mes amis Sagittaires. Vraiment des nouvelles choses et des bonnes choses à vous. Donc, certainement quelque chose d'inconfortable que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais quelque chose qui va vraiment vous servir par la suite. On est en train un peu de passer un peu à l'âge adulte. L'âge adulte, c'est être responsable, c'est psychologiquement et émotionnellement être éveillé, être stable en fait, hein. Être fort. C'est ne pas se laisser aller par, ne pas regarder tout le côté négatif des choses, ne pas se focaliser sur un monde dont on ne veut plus, mais se focaliser sur quelque chose que l'on veut vraiment. Pas se dire les factures augmentent, on vit dans une dictature, on mange de la merde, tout le monde veut nous assassiner, tout ça. Je ne vous dis pas que c'est faux. Hein. Mais ce que je vous dis par là, c'est que vous prenez conscience de ça et vous vous dites maintenant, je vais retrouver mon pouvoir. Avant de pouvoir changer le monde, il faut changer la nation. Avant de changer la nation, il faut changer le village. Avant de changer le village, il faut changer la famille. Avant de changer la famille, il faut changer le couple. Avant de changer le couple, il faut se changer soi-même. Inversement, payez attention à ces proto-pensées qui deviennent des pensées. Les pensées deviennent des mots. Payez attention à ces mots parce que les mots deviennent des actions. Les actions forgent le caractère définit la destinée. Donc on peut faire ça d'un chemin ou d'un autre. Nous avons le 9 de bâton. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment sortir de là, se sortir des prises de tête, vraiment passer à autre chose. Hein. Hein, vraiment sortir des prises de tête, toutes les personnes qui vous ont agacé, toutes les personnes qui vous ont empêché de vous réaliser, toutes les personnes qui vous ont empêché d'être vous-même et tout ça.
On a la reine de coupe ici qui vient me dire que même si vous allez rentrer dans une solitude qui est la présence de soi-même, et ben vous allez le faire parce que vous allez vraiment suivre votre destinée. Vous n'allez plus rêver votre vie, mais vivre votre rêve. D'accord? Vous voulez plus vraiment gagner. Là, vraiment, ce que je vois, c'est que vous passez à l'action et que on vous demande de sortir du. On vous dit que si vous voulez obtenir votre rêve, vous allez devoir aller le chercher. Vous allez devoir mettre la théorie des 10 000 heures. Il faut de mettre 10 000 heures pour, mais même plus, 20 000. Il va falloir mettre 10 000 heures de pratique dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir sacrifier des dimanches aussi. Il va falloir sacrifier des sorties. Il va falloir sacrifier la prise de sub, des trucs comme ça. Vraiment vous mettre, encore une fois, ça passe par le corps. Vous devez revenir au corps. Donc, vous devez méditer, vous devez faire du sport. Hein, pas outrance, pas pour paraître, mais vraiment pour avoir la bonne condition physique, quelque chose de fort, quelque chose qui vous permet de continuer ici. Vous allez devoir aller chercher. Vous allez devoir aller chercher ce que vous voulez aller chercher ici, mes amis Sagittaires. Et c'est vraiment ce que vous voulez faire. Donc, ça vient de dire que vous savez que vous devez aller chercher ce que vous devez aller chercher et que vous allez devoir, encore une fois, couper sur les choses qui vous retiennent. Ça, c'est vraiment très important. Et vous n'avez pas envie de dormir ici. Vous savez qu'il y a des gros sacrifices à faire. Peut-être que des amis d'enfance, des groupes d'enfance, des vacances, des trucs comme ça. Vous allez vraiment devoir mettre ça de côté pour pouvoir avancer vers votre destinée ici. Hein. Donc, mais au moins, vous en avez conscience. C'est très inconfortable. Et encore une fois, c'est pas facile de se laisser porter dans la vie, les Sagittaires. On dit que se laisser porter, hein, qu'il faut rien forcer, qu'il faut se laisser porter. Mais des fois, on a vraiment envie d'aller quelque part. On sait qu'on doit prendre un billet d'avion, qu'on doit partir avec son sac à dos, qu'on doit téléphoner à telle entreprise ou aller faire tel recrutement et tout ça. Mais on le fait pas en disant « Ah non, j'ai pas envie ». Non, se laisser porter, c'est encore une fois, quand le chemin est trop facile, comme disait Carl Gustav Jung, quand le chemin est trop facile, ça veut dire qu'on est sur le chemin de quelqu'un d'autre. Ça doit toujours être un chemin difficile et un chemin passionnant et un chemin merveilleux si jamais... Encore une fois, je ne vais pas faire grand-chose aujourd'hui. Hein. La seule chose que je vais sortir, comme je n'ai pas envie de recoudre les chaussons de ma fille, je sais ce que vous allez dire, ouais, Jay, c'est pas ta fille, c'est ta belle-fille, mais non, pour moi, c'est ma fille. Maintenant, je veux dire, plus je la connais, plus voilà. Quoi. Mais encore une fois, je vais faire peut-être une sortie pour aller lui acheter des chaussons aujourd'hui et pour aller lui prendre du dentifrice, parce qu'elle n'a plus de dentifrice sans fluor et je ne veux pas qu'elle se brosse les dents avec du fluor. Voilà, et puis je vais peut-être, peut-être aller m'acheter aussi une teinture barbe là, pour enlever ces deux petits trucs blancs là. Mais ce sera la seule sortie donc d'apparence au niveau, j'allais dire, au niveau terre-à-terre, d'apparence, c'est la seule chose que j'aurais fait aujourd'hui. Sauf que les conversations aujourd'hui que j'ai eues avec ma femme étaient vraiment passionnantes. Les conversations que j'ai eues avec ma fille aujourd'hui étaient vraiment passionnantes. Les moments de méditation que j'ai eus, les moments de réalisation, la guidance des lions que j'ai fait tout à l'heure, la guidance que je vous fais maintenant, me permettent de vivre une vie qui est quand même extrêmement riche. Après, je vais faire du sport, je vais sortir, je vais faire ça, je vais discuter, je vais aller me balader, je vais aller méditer en forêt, je vais aller m'entraîner un peu, mais ça me permet de, encore une fois... cette vie intérieure, et je ne vous dis pas que dans quelques temps, hein, je vais me dire, mais tu reviens de La Réunion, tu as encore voyagé, tu veux repartir. Je ne dis pas que dans quelques temps, je ne sais pas, les marchés montent et tout, j'ai envie de faire encore une formation, je prends un billet d'avion, je vais sur Dubaï 10 jours pour faire une formation au sommet du Kilimanjaro. Je suis comme ça, je suis moon en Sagittaire, donc moi j'aime voyager, j'aime prendre un billet d'avion et partir à l'autre bout du monde. Si ça me prend comme ça, personne ne me retient, j'y vais. Hein. Ça c'est clair, net. Et des fois, ce n'est pas facile parce qu'on a peur, on dit, ouais, mais si jamais je fais ça. Il va m'arriver ça et ça. Non, il faut vraiment faire les choses bien, penser à soi, se revendiquer et ne pas avoir peur en fait de suivre sa destinée. Après, moi j'ai la chance aussi d'être en couple avec quelqu'un qui me comprend, qui me soutient, qui ne me retient pas et qui me laisse ma liberté. Donc ça c'est vraiment cool et c'est exactement comme ça que je me sens bien dans mon couple et c'est comme ça aussi que après ça me permet de m'épanouir. Donc on a le 3 de bâton ici, ça veut me dire que cette énergie, cette expérience, ce truc qui est en face de vous ici, si je vous parle, c'est parce que quelque part. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour parler de moi, c'est aussi pour vous dire qu'en ce moment, vous avez besoin de parler, de vous exprimer, de vous revendiquer et aussi de vous mettre avec des personnes qui vous correspondent. Si les personnes cherchent à vous retenir ou vous empêchent de vivre votre vie, vous allez laisser ça derrière. Il y a une personne ici, ou une énergie, pardon, plutôt une énergie qui vous appelle à quitter votre vie bien rangée, mes amis Sagittaires, d'accord ? Le valet de coupe, on vous demande de vivre votre rêve ici, ok ? C'est en ce moment ce que vous êtes en train de vivre, c'est qu'on est en train de faire en sorte que ce que vous allez vivre, ça va être... Vous savez, par exemple, je ne sais pas, vous allez vous dire, ouais, mais j'ai envie de faire un serveur. Tout le monde vous dire, fais pas serveur, c'est de la merde. Tu vas te faire exploiter, machin, c'est un métier de merde, tu vas pas. Mais si vous avez vraiment envie de le faire, d'être là, de vous habiller, paf, de faire des super cocktails, de rencontrer une clientèle et tout ça, et que même si ce n'est pas forcément votre restaurant ou votre. Mais ça va vous apprendre quelque chose, ça va vous apprendre à, j'allais dire, à la communication, ça va vous apprendre le métier de service, ça va vous apprendre. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'écoutez pas les dires des autres. Peut-être que vous pourriez vraiment. J'allais dire, vous épanouir dedans. Votre vie peut changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on peut se faire renverser, on peut se prendre une balle et c'est fini. D'accord ? You can die in a blink of an eye, comme disait Eminem. Mais on peut aussi, notre vie peut changer. On peut gagner au loto, rencontrer quelqu'un. Les marchés peuvent exploser. On peut avoir misé sur l'action ou personne a misé de pouf, ça fait un fois 170 et vous êtes millionnaire, zillionnaire.
du jour au lendemain. Mais pourquoi? Parce que vous avez suivi votre instinct. Il y a quelque chose quelque chose que vous voulez vivre, ou peut-être plein de personnes vous disent que vous ne devez pas vivre ça, mais vous allez le vivre. Encore une fois, j'ai l'impression que vous avez gardé un axe que vous avez forcé pour faire plaisir à quelqu'un ou à quelque chose, ou à un groupe de personnes, ou à énormément de monde pendant bien longtemps. Mais qu'est-ce que vous voulez, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que vous voulez? L'énergie, la leçon que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, vous dit que vous devez vous revendiquer et ne pas vivre dans l'insatisfaction. D'accord? De ne pas vivre dans l'insatisfaction, de ne pas vivre comme ça, d'accord? De tout changer, de tout percuter. Et encore une fois, avec tempérance, ça ne sert à rien de faire les choses vite, de faire les choses, hein? Il va falloir passer ce portail bientôt. Il va falloir les choses. De toute façon, c'est simple, avec le Sun and Pisces, Mercure en poisson et tout ça, il n'y a pas de question. Les choses sont en train d'arriver ici. Les choses sont en train d'arriver. Soyez confiants, soyez déterminés parce que les choses sont en train d'arriver, mes amis. Que vous le vouliez ou non. D'accord? Et finalement, je pense que cette période transitoire va être difficile pour vous. Hein, c'est comme si vous allez partir et vous allez vous dire, vous allez peut-être vous sentir un peu lâche, pas lâche, mais vous allez vous dire, putain, je fais quelque chose ici, je quitte mon couple, je kiffe ça. Mais non, encore une fois, la vie vous appelle, vous avez une expérience, vous avez quelque chose à vivre ici. Ou alors, ça peut vouloir me dire, ce que vous devez le faire avec authenticité et droiture, c'est-à-dire parler, dire les choses clairement aussi, hein. Il y a aussi, peut-être, si vous voulez faire en sorte que les choses se passent bien, il y a peut-être des personnes qui ressentent déjà un changement en vous et on vous demande de la clarté et de l'exactitude. Hein. Ne soyez pas dans le silence et puis au bout d'un moment, vous envoyez tout valdinguer. Hein. Si vous sentez que tout est déjà en train de valdinguer, commencez à vous exprimer, commencez à dire vos ressentis, commencez à exprimer à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, la façon dont vous voyez la vie, les choses. Après, si les personnes en face ne comprennent pas, ce n'est pas votre problème, les Sagittaires. Mais au moins, vous aurez été honnête. Au moins, vous aurez dit la chose. Si la personne vous aime vraiment, elle va se dire, bon, allez, ma Sagittaire, elle a besoin de faire quelque chose, elle a besoin de partir, elle a besoin de changer. C'est ma fille, mon fils, ma petite amie, mon petit copain. Mais boum, vous voyez ce que je veux dire ici? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? C'est être libre, tout simplement. Et la liberté coûte très cher, mes amis. Il faut se battre tous les jours pour pouvoir être libre. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est avoir une discipline. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je suis libre, machin, je suis un digital nomade, ok, super. Mais tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ou quand je le peux, parce qu'il faut aussi que je m'occupe de la petite et tout ça, maintenant j'ai une famille. Si je peux faire qu'un seul reading par jour, ben, je fais qu'un seul reading par jour, en privé et en live. Mais en tout cas, ça demande aussi une discipline. D'accord? J'ai fait les lions, c'est une grande guidance et tout, mais la discipline veut que, boum, j'ai encore un temps devant moi, et ben, je viens vous faire une vidéo. Ok, faut faire du sport, faut bien manger, faut méditer, il faut s'implorer une discipline. Sinon, la psyché, elle tient pas et on est fatigué et on se dispute avec sa famille. Il y a tout qui part en vrille. Ok, donc on vous demande d'instaurer ici une certaine discipline. Une certaine discipline, c'est-à-dire de faire les choses tous les jours pour pouvoir obtenir votre... Donc, vous coupez des choses qui ne vous correspondent plus, avoir une certaine discipline, être déterminé plus que jamais, ne jamais abandonner et savoir pourquoi vous faites les choses. Ça, c'est vraiment très important. Le Fou in Reverse nous rappelle que vous devez faire les choses, vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Si vous faites les choses juste pour avoir du pognon, vous ne serez pas heureux. Si vous faites les choses juste pour pouvoir obtenir un yacht sur la French Riviera, vous devez rester authentique, fréquenter les bonnes personnes. Savoir pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous voulez changer le monde? Est-ce que vous voulez voir les enfants porter des masques, croire à des pseudo-virus, machin, des compteurs qui affichent n'importe quoi, des machins, hein? Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, tout est digitalisé, tout part en vrille, la monnaie, le machin. Donc, il faut garder... Notre dernier espoir, c'est notre humanité ici. Il ne faut pas qu'on devienne des robots. Donc, ne pas faire n'importe quoi, bien entendu. On vous dit, c'est un double message. On vous dit que pour atteindre la liberté, il ne faut pas bricoler. C'est-à-dire que vous devez savoir ce que vous voulez. Think it, feel it, do it. D'accord? On le pense, on le ressent. Une fois qu'on le ressent, on le fait. Et il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. De ne pas vous illusionner. D'accord? Donc, ce qui est en train de venir à vous, et ce qui est un peu chiant dans votre reading peut-être terrifiant, qui fait peur, c'est que ça vient vers vous, c'est que vous ne pouvez pas l'esquiver. Mais si ça vient vers vous maintenant, mes amis Sagittaires, c'est que la conjoncture des planètes, des astres, des étoiles fait que vous êtes prêts et prêtes. Ceux qui auront un grand changement dans leur vie qui est symbolisé par la tour ici dans le reading, et vous voyez, il y a même pas d'étoiles encore pour l'instant, donc ça montre que quelque part tout est en train de s'effondrer, mais que c'est pour les bonnes raisons et qu'il faut pas, il y a même pas d'espoir à avoir, c'est que vous êtes fait pour ça et que vous êtes prêts pour ça. Regardez, vous avez votre rêve. Pourquoi est-ce que vous faites quelque chose? Pourquoi est-ce que vous vous mettez en relation? C'est juste pour coucher? C'est juste pour vous envoyer en l'air, juste l'histoire d'un soir? Ou alors c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand? On veut fonder une famille, construire une maison, on veut vivre son rêve, on veut laisser une legacy ici. Hein? Pourquoi vous faites ça? D'accord? Posez-vous les bonnes questions. On vous dit posez-vous les bonnes questions. C'est très important. Posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez trouver le bon chemin, ce que vous allez choisir, vous devez vous poser les bonnes questions. Parce que là, c'est vraiment en train. Je sais. Vous allez me dire, ouais, t'es tarot émotionnel, psychologique et tout, tu fais pas de prédiction de jet. Mais là, ça se voit que ce que vous voulez, ce qui est en train d'arriver, c'est que
Il y a une libération. Vous allez devenir le capitaine dans la tempête. Vous allez devenir la tempête même. D'accord? C'est le judgment. On vous appelle ici. Vous avez besoin d'être en méditation. Hein. C'est le moment où on va sortir de la peur. C'est le moment où on va sortir de l'inaction pour aller chercher, trouver sa place dans le monde ici. Donc, sachez quel monde vous voulez voir demain parce que vous êtes des précurseurs de ça. Les Sagittaires, vous êtes à la merci aussi comme les Gémeaux, comme les Lions, d'un courant violent ici. OK? Pour tout le monde. Mais encore une fois, la mort. C'est-à-dire que c'est un changement violent. D'accord, c'est ce qui arrive ici ne peut être évité. D'accord, et rien ne pourra l'éviter. Rien ne pourra l'éviter. Il y aura toujours l'équilibre entre le bien et le mal et tout ça. Sachez de quel côté de la barrière vous voulez être, comment vous voulez vivre votre vie. Sachez que encore une fois, la vie c'est précieux, c'est le plus gros des cadeaux. Hein? Chaque plat que l'on mange, chaque respiration, chaque conversation, chaque chose que l'on voit peut prendre une dimension autre que juste terre à terre en fait. C'est à vous de voir, mes amis Sagittaires. Je me sens vraiment connecté avec vous en vous faisant ce reading. Donc, une grosse perturbation, mais c'est pour vous amener... De toute façon, quoi qu'il arrive, là, c'est parti. Hein. Vous savez, c'est comme le truc, le roller coaster qui monte là. Tac, 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 ça fait vous flipper. Et au bout d'un moment, il y a la petite pente douce là. Et là, vous vous dites, putain, il va falloir y aller. Mais avant que vous... Non, vous voudriez juste rester là un petit peu. Mais non, mais au bout d'un moment, il y a là, c'est parti. Et vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller, ça, c'est clair. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Oui, vous êtes carrément prêt. Comment est-ce que vous serez? Quel est le bon chemin? C'est en sachant pourquoi vous faites les choses. Parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas pour les hommes en étant un provider, en ayant beaucoup d'argent et tout ça, que vous allez avoir le respect et trouver la femme de votre vie. Elle sera certainement très belle et tout ça, mais ce ne sera pas la femme de votre vie. Si vous, mesdames, vous êtes très belle et tout ça, que vous voulez... Après, si vous avez un petit niveau de conscience, que vous pensez que vous allez obtenir... Vous serez bien, vous serez très beau sur Instagram. Vous serez très beau sur Instagram et sur TikTok et tout ça, mais dans la vraie vie, vous... Vous ne serez pas comblé. Vous serez absolument, absolument, absolument pas comblé. Et ça se verra sur votre visage, ça se verra dans votre regard, ça se verra dans vos yeux. Hein. Donc, on peut pas. Il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le soleil, la lune et la vérité, mes amis. Donc, voyez la vie que vous voulez mener, que vous voulez vivre, la vie que vous voulez mener ici. Hein. Et en ce moment, c'est très perturbant. Mais encore une fois, vous allez arriver à vous allez être. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une voix. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de hausser la voix. Vous avez besoin de dire les choses. Et c'est ce que vous allez faire, mes amis Sagittaires. Est-ce qu'on pourrait avoir un message en quatre cartes ici for my friend Sagittarius? Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment un message en quatre cartes ici pour mes amis Sagittaires? Quelque chose de concret. Regardez la partie non visible de l'iceberg. C'est pas le fait de contrôler, de dire moi je. Regardez, je suis l'empereur, machin. Je suis un roi du 440. Je suis zillionnaire. Non, c'est les racines qui sont très importantes. D'accord. Esprit en arborescence. Beaucoup de choses. Quand on a un esprit en arborescence, encore une fois, un HPE, HPI, je ne connais pas trop ce truc-là, mais on vous demande d'être exactement quelque chose de très concret, quelque chose de nouveau, à l'intérieur, inside, d'accord? Et toutes les routes mènent à Rome, mes amis Sagittaires. C'est-à-dire que vous savez ce que vous ne voulez plus aujourd'hui, vous avez donné, les choses ne changent pas d'un côté, et maintenant, des nouvelles perspectives. C'est-à-dire que peut-être aussi que vous étiez dans une nouvelle perspective depuis un petit bout de temps, là, et que les choses se renforcent tout d'un coup. Je ne sais pas, par exemple, comment vous donner un exemple? Ça fait un petit bout de temps ici, maintenant que je suis avec okay, la petite là, de 6 ans. Là, et je découvrais ça, je n'avais jamais eu à m'occuper d'un enfant et tout ça, mais des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe mal, des fois ça... Voilà. Et là, ce matin, par exemple, elle était dans la douche et j'ai entendu mon nom crier là. Ouais, donc je suis monté, ouais, Jérôme, hein, je suis monté. Et elle est en train de pleurer, je me dis, qu'est-ce qui se passe encore? Et là, elle était comme ça, en fait, dans la baignoire, elle me disait, ouais, il y a de la mousse partout et tout, il y a trop de mousse. Je lui dis, bah attends, mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bah attends, bah regarde, on va mettre de l'eau un peu chaude, regarde, on enlève la mousse et tout ça. Et elle m'a fait un gros câlin. Et ensuite, je lui dis, bah écoute, maintenant on va s'habiller, on met une petite salopette, on met ça. Et je lui dis, écoute, voilà, on se broche les cheveux. Et je lui dis, bah viens, on va aller. Je lui dis, écoute, exceptionnellement, bah tu peux regarder un petit dessin animé pendant que je fais la vidéo. Après, je te ferai à manger cet après-midi, bah on ira chercher tes chaussons et tout ça. Un truc tout simple. Mais l'important, c'est de s'impliquer, hein, avec son gosse et tout ça. Vous savez, vous allez me dire, Jay, c'est pas le tien et tout, mais pour moi, c'est le mien, d'accord? Donc, franchement, c'était, voilà, et c'est des moments simples, mais c'est des moments forts auxquels je vivais pas avant, ok? Et du coup, il y a une certaine complicité, c'est pas, quand je te fais à manger, c'est pas, c'est dégueulasse, c'est pas bon, là, c'est, voilà, je sais pas pourquoi, c'est quoi la mousse, c'est quoi le problème? Mais je m'en fiche, le tout, c'est d'arriver, de dire, ah, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais attends, mais t'inquiète pas, regarde, hop, tu vas te rincer et tout, hop, tu t'habilles comme ça et tout. Et là, je sais pas, elle a dû sentir aimée, elle a dû sentir. Donc, et en fait, c'est marrant comment on peut vraiment se rapprocher de quelqu'un comme ça, ou vivre des moments forts, des trucs comme ça. Et moi, ça me fait réaliser, ça me permet de relativiser aussi. Ça me permet de relativiser, ça me permet de me dire, oh, je vous donne un exemple. Quand j'étais à la run, okay, je voyageais partout, à Maurice, en Thaïlande et tout, je m'éclatais. J'allais surfer, j'étais là, ok, super, génial. Je rentrais, je donnais mes cours d'arts martiaux, je faisais mes vidéos, et tout était bien, tout était parfait, tout était une bulle, comme un paradis.
D'accord? Mais si on regarde le fond de la chose, il y a quelque chose où je n'évolue plus. J'arrive ici, il fait froid, moins 6, moins 10 et tout, les factures d'électricité, 1600 euros, 1900 euros, enfin, les compteurs Linky qui affichent n'importe quoi et tout ça, l'œil de Sauron. YouTube qui démonétise toutes mes vidéos, machin, je ne sais pourquoi, et puis qui me paye 500 balles, et ensuite qui remonétise tout derrière, mais en attendant toutes les vues que j'ai fait, tout l'audimat, zéro goodbye. Donc au bout d'un moment, vaut mieux en rire, quoi. Je veux dire, je suis là, mais le fait d'avoir vécu ce moment, je relativise, je me dis, il y a quand même plus important dans la vie. Il y a cette connexion avec les êtres humains sont beaux, les êtres humains sont liés entre eux, les êtres humains sont puissants, les êtres humains décident d'un monde meilleur. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je rallume ma caméra et je renvoie. Je renvoie du content, je recommence à me connecter et je fais passer les messages pour ceux qui en ont besoin. Et moi aussi, j'ai besoin de ça. Donc, quelque part, ben, je prends ma place, je continue, j'avance, je n'abandonne pas. C'est cette détermination que vous devez avoir, les Sagittaires. C'est pour ça que je suis là et que je fais aussi, entre guillemets, mon job, hein, joy over boredom, enfin, ma destinée, mon travail, en fait, mon métier qui implique la maîtrise. Je suis là. Et j'attends de voir si jamais ils vont reproduire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit 500 euros enfilé, ils vont tout démonétiser, remettre et tout ça. De toute façon, je ne vais pas me braquer contre YouTube, je ne vais pas me braquer contre les factures, je ne vais pas me braquer contre les gouvernements, je ne vais pas mettre un gilet jaune, je ne vais pas aller me prendre des flashballs dans la gueule. Hein. Non, je ne vais pas faire tout ça. Hein. Je ne vais pas me battre contre les Illuminati, contre les extraterrestres, contre les chauves-souris qui crachent du virus. Je ne vais pas me battre contre tout ça. Hein. Non, ce que je vais faire, c'est que. Parce que si on se bat contre ça, on renforce. Ce que je vais faire, c'est, encore une fois, retrouver ma souveraineté, faire ce que j'ai à faire, passer les bons messages, en continuer. C'est ce que vous voulez faire aussi, les Sagittaires. C'est ce que vous voulez faire aussi. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas, on est fort, on avance, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, on n'est pas là pour s'apitoyer sur son sort et toujours être là à se dire, voilà, de manifester une vie qu'on ne veut pas, en fait. Hein. Au bout d'un moment, bon, on pense à transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. On se dit qu'on a ce pouvoir, en fait. On fait des grosses réalisations, on voit là où il y a de l'importance. On se bat pour les choses qui ont de l'importance, en fait. C'est ultra puissant. Et ça demande du courage et de la force. Hein. C'est pas un jour où le gouvernement va dire il faut aller piquer la petite, sinon on ne peut plus aller à l'école. Non, c'est là où au bout d'un moment il faut dire non. Et il faut se battre. Et il faut se battre des fois même jusqu'à la mort. Hein. Mais bon, peu importe, nous sommes en guerre. Hein. Donc il faut des guerriers, il faut des guerrières. Hein. Mettez-vous. Si vous êtes des guerriers, mettez-vous avec des guerrières. Si vous êtes des empereurs, mettez-vous avec des impératrices. Si vous êtes des impératrices, mettez-vous avec des empereurs. C'est pas en étant super belle sur Instagram que vous allez manifester des empereurs. Non, vous allez manifester ça risque de partir en vrille. Hein. Et Gaïa, en ce moment, nous applique bien la leçon. Si vous êtes des hommes, vous pourrez réussir sur les marchés, avoir les Rolex, les machins, le gros 4x4, rouler, arriver, cracher sur tout le monde et dire moi, je suis le meilleur, machin, machin, puis le fric et tout ça. Mais quand ça va partir en couille, vous ne serez pas capable de gérer. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Donc, une vérité. Okay, une vérité, vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça, mes amis Sagittaires. Vous êtes vraiment en train de vous rendre compte de tout ça. C'est vrai, le message, hein, le message, encore une fois, de l'univers. C'est-à-dire, ils iront tous à l'abattoir comme dirait Jaco, mais vous n'irez pas à l'abattoir. Vous, vous avancez vers le soleil, là où les... C'est pas tout le monde qui ira là-bas, mais vous, encore une fois, le lien, le Mossoubi, le lien avec Gaïa, avec la Terre, il y a vraiment une grosse prise de conscience ici, d'accord? Vous sortez de la, encore une fois, la solitude qui est la présence de soi-même et vous sortez de l'isolement qui est l'absence de l'autre. Donc vous sortez de l'absence de l'autre, vous sortez de votre côté ermite. J'ai l'impression que vous allez rencontrer le monde, que vous allez œuvrer en fait pour le monde. C'est exactement ça. Vous savez que quoi qu'il arrive, c'est votre destin et que les choses arrivent et que vous ne pouvez pas les repousser. C'est-à-dire que quelque part, le droit de passage, il est là. C'est la dance of change, la danse du changement. Tout est en train de changer. Mais vous êtes armé pour ça et vous allez y arriver, les Sagittaires. Ça vous fait un peu peur. Vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Je sais que vous vous dites. Mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, vous allez y arriver. Vous êtes de grands épéistes, vous avez beaucoup appris de la vie, vous avez la clarté, la lucidité, vous allez y arriver. Ne vous renfermez surtout pas sur vous-même, d'accord? Regardez, dans le sort, vous avez le Doctor of Cups. Ça veut dire que vous êtes prêt pour un autre. Peut-être que les gens vous voient comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui est peur, quelqu'un qui a froid, ou peut-être comme le vilain petit canard. Mais dessous, regardez votre armure d'or, votre aura, tous les chakras qui sont alignés. Donc vous êtes prêt ici. Les chakras qui sont alignés font qu'il n'y a pas un chariot qui va à droite, et il n'y a pas un chariot qui va à gauche, comme sur la carte du chariot, qui est la carte de la conquête, de la victoire. Ok? On se laisse porter, mais se laisser porter, ça veut dire là, c'est aller là où les peurs nous mènent. Encore une fois, donc vous avez votre énergie, vous avez votre aura, vous êtes des grands guerriers. Peut-être qu'on vous voit comme ça, mais dans l'eau, vous êtes comme ça. Donc vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver et n'ayez pas peur. L'innocent ne peut blesser personne, mais l'innocent ne peut être blessé. Donc croyez-moi que vous allez y arriver, mes amis Sagittaires. Méditer, c'est rechercher si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ces expériences peuvent être absolument tranquilles. Méditer, c'est chercher si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ces expériences peuvent être absolument tranquilles. Sans contrainte, car dès que vous forcez, il y a dualité.
Celui qui dit « Je voudrais avoir des expériences merveilleuses, aussi dois-je forcer mon cerveau à être tranquille » n'y arrivera jamais. Mais si vous commencez à observer, à écouter, à vous informer sur tous les mouvements de la pensée, ses conditionnements, ses craintes, ses plaisirs, observez comment opère le cerveau et vous verrez alors que celui-ci devient extraordinairement calme. Méditer, c'est chercher si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ses expériences, peut être absolument tranquille. Sans contrainte, car dès que vous forcez, il y a dualité. Celui qui dit « Je voudrais avoir des expériences merveilleuses, aussi dois-je forcer mon cerveau à être tranquille » n'y arrivera jamais. Mais si vous commencez à l'observer, à observer, à écouter, à vous informer sur tous les mouvements de la pensée, ses conditionnements, ses craintes, ses plaisirs, observez comment opère le cerveau et vous verrez alors que celui-ci devient extraordinairement calme. C'est de l'observation, de l'attention et de l'écoute. D'accord? Cette quiétude n'est pas le sommeil. Il est formidablement actif et par conséquent calme. Il est rare qu'une grande dynamo fonctionnant parfaitement bien produise un son. C'est seulement quand il y a un problème qu'elle fait du bruit. Donc, besoin d'observation, d'écoute et d'attention. C'est la trinité de la méditation, ce qui implique d'être attentif à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc, la conscience qui nous permet de calmer le mental, donc de développer notre psyché, donc de devenir sensible, donc de voir les nouvelles portes s'ouvrir, de nous voir les nouvelles dimensions, de vivre en close contact avec le sacré, avec le divin, et de pouvoir créer un monde meilleur. Et ça passe par chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit trouver la force et le pouvoir et le courage qui implique avec le cœur de pouvoir se réaliser dans cette vie, trouver sa place, changer le monde. Et c'est très important parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas que la télévision, la radio, les news et toutes ces bêtises et les écoles, les usines à conditionnement qui gouvernent le monde. C'est nous, c'est chacun d'entre nous. Ça passe par chacun d'entre nous. Donc vous êtes en train de vivre des moments difficiles, mais en même temps vous avez la force, le courage d'arriver à votre destination. Votre destination, c'est de vivre tout simplement, tous les jours au quotidien, votre meilleure vie. Votre meilleure vie. Et ça demande du courage. Ça demande du courage. Encore une fois, j'ai quitté 13e mois, 14e mois, gros salaire, pour faire ce que je fais aujourd'hui, mais je n'ai jamais été aussi bien. Je n'ai jamais rencontré des personnes aussi adéquates qui me correspondaient autant, qui me permettaient autant d'évoluer, dont vous faites partie, mes abonnés. C'est grâce à vous tout ça, d'accord? Je pourrais vraiment en discuter pendant des heures, mais je pense que je vous ai vraiment transmis l'essentiel ici. Ça ne sert à rien de s'étaler. Je vous laisse re-regarder cette vidéo, je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez mon site E1S System, vous pouvez aller regarder les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs, concrètement comment les utiliser dans la vie de tous les jours, au-delà de la forme et tout ça. Mais je vous dis à très bientôt, mes amis, sur Five Star Tarot. Namasté, my friend. Courage les Sagittaires, je reviens très vite vers vous.